avoir Zazat. Une journée, je pense, qui va être dans les annales au niveau des rallyes. On partait ce matin avec le couteau entre les dents, compte tenu de la place d'hier, gênée par la poussière. Donc, trois belles spéciales. Donc, voilà, avec 10 km, ça faisait à peu près pas loin de 80 km. Donc, 80 km de spécial, ça permet de remonter pas mal de place. On arrive au départ de la première, et eh bien, c'est tout annulé. Parfait. Il y avait un terrain militaire et en même temps il y avait un problème de zone protégée, donc il fallait choisir. Donc on n'a pas pu faire cette spéciale. On est parti à la deuxième spéciale. Et là, pareil, le coup contre les dents. Ça marchait d'une super façon. Les notes étaient bonnes, c'était un peu sablonneux, très roulant, très sympa. Et au kilomètre 12, la voiture s'est arrêtée. Comme si on coupait le contact. Donc on s'est retrouvé sur le côté, bloqué dans la spéciale. Là, ça nous a mis déjà un moral à zéro. On s'est fait sortir de la spéciale. L'assistance, un peu paniquée dans tous les sens, on les a vus une heure et demie après. Le temps de trouver une panne, parce que c'était tout compte fait, ils ont trouvé que c'était une panne d'allumage. L'allumage, de faire tous les points, ça a mis aussi une heure. Et on avait claqué le deux bobines, ce qui n'arrive jamais sur une Porsche. Et c'est arrivé sur la nôtre. Et on est reparti, pour tout vous dire, 3 heures après tout le monde. Et il y avait 300 km à faire. Pour rejoindre la dernière spéciale qui est juste avant Barzazat, qui faisait 35 km. Donc on est arrivé pile poil à notre place. Manque de chance, il y avait un regroupement à Taroudan qu'on n'a pas eu. Donc le carton n'était pas prêt. Le commissaire, le directeur de piste, enfin bon, c'était aussi un trafalgar pas possible. Et donc on a pu partir et vous aurez vu le carton qui est arrivé, tout est fait à la main. Donc vous voyez, c'est du débouillage. Donc alors, quand on a donné le carton à l'arrivée, quand ils ont pris le carton, ils étaient morts parce qu'ils comprenaient rien. Ils pensaient que c'était nous qui avions fait les notes. Donc ça, c'était assez folklore. Donc on est arrivé ici, ils ont changé qu'une bobine sur place parce qu'il n'y en avait pas deux. Et on a pu repartir, mais là, la voiture, bon, effectivement, elle n'a pas tout son potentiel. Et voilà, donc avoir Zazat ce soir, content parce qu'on était vraiment très déçus. Et au classement, alors là, ça va être un grand folklore, la panne de ce matin, le rassemblement n'était pas là. On vous en dira plus dans le résumé tout à l'heure. Bonsoir.